Bonjour chez vous. Je vous propose aujourd'hui de faire un petit tour de mon potager. Là, on est en pleine installation des plantes au jardin. Bon, ici, vous voyez ma plantation de courges bleues d'Hongrie. On avait déjà mis l'année dernière. Elles sont assez productives et ce sont un très joli fruit, fort décoratif au jardin. Ici, nous avons sur ma deuxième butte des courgettes. Ce sont des courgettes diamantes. Je précise que tous les plants sont semés chez moi. Je n'achète rien dans les jardineries pour l'instant. Et je sème tous ces plants à la maison dans des mini-mottes qui sont ensuite repiqués dans des petits pots avant d'être transplantés dans le jardin. Ici, vous avez d'autres courgettes sur la troisième butte. Ce sont des courgettes Black Beauty. Alors on remonte sur ma petite butte et vous voyez que les laitues continuent à très bien se porter. Ici, en fait, j'ai des merveilles des quatre saisons. J'ai des Mitsuda, des Namenia. J'ai de la roquette. Ici, ma ciboulette que j'ai déjà récoltée une première fois, des poireaux perpétuels, un petit peu de persil, les autres vont arriver maintenant, et toujours mes salades des quatre saisons. Et là, mon petit carré de fraises qui est en train, une vingtaine de plants qui sont en train de fleurir. Alors, au niveau des salades, j'ai encore quelques radicchio qui date de l'automne et continue à prendre quelques plants pour décorer les salades. À l'arrière, j'ai mis des pains de sucre, des endives pains de sucre et des bêtes. Tout ça a été semé à l'intérieur au départ. Également du persil géant d'Italie, qu'on utilise beaucoup. On en met toujours pas mal au jardin parce que c'est excellent dans la plupart des plats méditerranéens que l'on consomme. Mes petits pois poussent bien et s'attaquent courageusement à l'ascension de la grille. Alors, bon, les carottes. Que vous avez vu dans une précédente vidéo, celles qui ont été semées en mini-mottes ont l'air de bien se porter, du moins les feuillages, je ne sais pas si les racines vont s'installer. Et là à côté, vous avez également les fèves. Les fèves, ce sont des fèves ratio qui sont pas mal productifs et qui commencent aussi à être en fleurs. Pour l'instant, je suis d'ailleurs en train d'installer les plants de tomates dans les serres. J'ai une trentaine de plants. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà un petit peu pour. Alors, j'ai pas mal de légumes qui sont prêts à être plantés également, des choux, enfin, plein d'autres légumes. Je vous en parlerai plus tard. Bon, chez vous.